Janevski. Janevski balance un long ballon en direction de Raymond Mamens. Il aurait pu être très bon. Il est bon pour Balogh quand même, qui tire au-dessus. Et bien voici le premier tir de Tibor Balogh, le remplaçant de Par Zetterberg au Sporting de Charleroi. Très participant dans l'action et opportuniste Tibor Balogh. Charleroi insiste et Malbassa aussi. Et Malbassa n'en sort pas. Si, Moury, centre de Moury, Gaspertic surmonté, Balogh. Oh, Balogh avait l'occasion de faire 1-0. Nouanchoukou qui avance avec Luc Beyens. Dangereux Luc Beyens, le tir du droit. Passe au-dessus du but de Charleroi qui vient d'avoir chaud. Le coup de coin est donné par Skassens. Et la balle atterrit dans le but du Sporting de Charleroi. Alors qui a inscrit ce but? Busutil apparemment. Busutil qui s'est faufilé dans la défense du Sporting de Charleroi, curieusement inattentive. Regardez comment Busutil est allé donner le coup de tête qui place Genk au commandement. C'est la première fois que Genk inscrit un but dans toute son histoire au Sporting de Charleroi. Brogneux, Roch-Gérard, Mamens. Mamens sur la gauche à Moury qui rentre dans le rectangle. Et il est bon le centre de Moury et il est dans le but. Inscrit par Brogneux, le but d'égalisation du Sporting de Charleroi. Un but partout. Il en a fallu du temps pour l'inscrire ce but. Et ça permet au Sporting de Charleroi de respirer enfin et d'éviter un couac qui eût été dramatique. Malbassa qui va essayer de trouver Missé, c'est trop tard. En retrait à Balogh, pourquoi pas. Tout de suite à Mamens. On accélère. Malbassa, centre du gauche, croisé, récupération de Balogh qui tire, et c'est but. Et Tibor Balogh, le remplaçant de Par Zetterberg, libère le Sporting de Charleroi. Tibor Balogh, le Hongrois de Budapest, donne l'avance au Sporting de Charleroi suite à un mouvement collectif d'excellente facture. Charleroi prend l'avantage alors qu'il a été mené pendant pratiquement 45 minutes par Genk, qui a renversé la situation. En quelques 5 minutes à peine, Tibor Balogh fait sa grande entrée au Sporting de Charleroi. Moury, Missé. Tir de Brogneux peut-être. Cherche l'ouverture Brogneux. La trouvera-t-il? Penalty sur Brogneux. 89e minute, penalty pour Malbassa face à Gaspercic. Gaspercic l'écarte. Centre de Roch-Gérard. Tête de Missé au-dessus de la transversale de Gaspercic. Eh bien, l'ancien joueur d'Anden a bien lui aussi failli signer sa joyeuse entrée au Sporting de Charleroi. Mais le score restera bloqué à 2-1 et c'est tout bon pour le Sporting de Charleroi qui a tremblé ce soir face à Genk.